Salut tout le monde, bon alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul, non pas dans mon entrée mais dans mon dressing, ça change un peu. J'ai essayé de ranger un petit peu mon dressing parce qu'il faut dire que je suis une fille assez bordélique. Donc mon dressing est à mon image, tout n'est pas hyper bien plié notamment par là. Enfin bon bref, le but c'est de se montrer tel que l'on est, donc autant assumer le bordel mais pas trop. Donc j'ai quelques nouveautés à vous montrer que je vous ai pas forcément montré. Il y a des achats soldés, donc voilà, on va commencer tout de suite, notamment avec ce pantalon que je vous avais déjà montré sur Insta Story, mais que j'adore et que je vous remontre ici. Donc en fait c'est un pantalon misguided, il est assez court, c'est la coupe qui veut ça. Il est large et taille haute et enfin perso je l'adore. C'est vrai qu'au niveau des poches ici ça apporte un peu de volume, mais bon moi ça me dérange pas. Sinon pour celles que ça intéresse, j'ai trouvé un dupe qui coûte moins cher parce que celui-ci est quand même à 60 €. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà. Et là j'ai mis mes Skechers. Alors pour celles qui ont loupé cet épisode Skechers, en fait je mettais des Skechers quand j'avais je sais plus 10-11 ans. C'était grave à la mode à l'époque, enfin Britney Spears et tout les portaient. Et en fait faut savoir que toutes les baskets moches des années 90 reviennent. Et du coup ils ont recommercialisé les Skechers que je porte, je vais vous les montrer de plus près. Et en fait je vous ai fait tout un article d'ailleurs sur ça sur le blog, sur les baskets moches qui reviennent à la mode. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et voilà, je vais vous montrer les Skechers, les fameux Skechers. C'est des baskets à grosses semelles. Ce sont des baskets moches mais moi perso je les adore et du coup je les mets tous les jours et voilà, dans l'article je vous ai fait une récap avec même des idées de look, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker. Mais sinon au pied ça donne ça, voilà, on aime ou on n'aime pas, moi je kiffe, donc voilà j'assume. Le body c'est un body de chez Zara, c'est la nouvelle co, ça fait un peu esprit lingerie. Esprit corset, je ne sais pas trop, avec des fausses armatures apparentes. Je le trouvais très sympa. Je vais vous montrer la suite. J'ai quelques chaussures, des sacs, des pulls, des manteaux. Bah tiens, on va commencer par le manteau à vous montrer. Et une petite robe. Voilà, j'ai pas énormément de choses, quoique un peu quand même. Alors ce manteau c'est un manteau de la marque American Vintage, je l'avais repéré en début de saison mais il est à 250 €, donc j'avais pas craqué. Et là je l'ai trouvé en solde à moins 50%, donc il revenait à 125 €, ça fait moins cher que certains manteaux chez Zara. Donc voilà, j'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris direct, il est vraiment très très joli. Comment vous dire, la coupe est un peu oversize, par contre j'ai pris une taille ML. J'ai essayé le XSS mais en fait c'est pas assez loose pour moi. Moi j'aime bien les manteaux longs loose pour qu'on puisse glisser un gros pull en dessous. Enfin voilà, j'aime pas me sentir étriquée, je vous l'ai déjà dit. Donc là la taille ML est bien. Je mesure 1m70 et voilà où il m'arrive. Donc il est mi-long, il est ni trop long ni trop court. Si vous êtes un peu petite ça serait un peu plus long mais c'est canon aussi. La couleur est magnifique je trouve, c'est un beau beige. Voilà, il est très quali. Pour la petite info, je vais vous mettre le lien sur le site. Il semble différent mais en fait je l'ai pris sur le site et c'était exactement le même qu'en boutique. Donc c'est exactement le même que je porte. Parce que sur le site il a des boutons noirs et en fait quand on le reçoit il n'a pas de boutons noirs. Mais voilà, c'est vraiment le même. J'anticipe au cas où qu'on me pose la question. Et c'est le genre de manteau vraiment qu'on peut mettre avec tout, que ce soit des looks un peu habillés, des looks un peu décontractés. Vraiment, c'est une... Enfin, je trouve que c'est un très bon investissement, ce type de pièce. Et voilà, le trouver à moins 50, c'est plutôt cool. Alors ensuite, je voulais vous parler de ce pull que je vous avais déjà... Je vous avais demandé conseil sur Insta Stories parce que j'hésitais avec un autre. Donc c'est un pull de chez Andover Stories. Vous savez que j'adore cette marque, c'est pas la première fois que je vous en parle. Et du coup, j'ai craqué pour celui-ci parce que j'aime vraiment beaucoup le côté bicolore. Les bandes comme ça sont très tendance en ce moment. Et je trouvais ça sympa de l'avoir plutôt sur les épaules et sur les bras. Il gratte un tout petit peu, je vais pas vous mentir. Quand on
on le porte, ça va. J'ai eu des pulls qui grattaient plus que ça. Et après, si on met un t-shirt manche longue ou quoi en dessous, on a carrément plus de problèmes. Donc, ce pull-là, je pensais le porter, par exemple, avec un beau slim en simili-cuir, des boots. On peut le porter aussi avec une jupe en cuir, une jupe en vinyle. On peut le porter avec du jean. Enfin, vraiment, c'est une pièce quand même qui reste assez basique. Les tons sont neutres, donc ça va à peu près avec tout. Il a un petit col cheminé. Il est un peu loose, mais ce qu'il faut, j'ai pris une taille S. Et voilà, je l'adore. Alors après, il fallait absolument, mais absolument genre, que je vous parle de ce pull parce que c'est un très 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 gros coup de cœur. Vous allez me détester parce qu'il est en rupture de stock, mais je vous en ai trouvé un similaire dans une autre couleur. Je suis désolée, je vous mets le lien et j'espère qu'il reviendra en stock. Moi je l'ai eu comme ça en fait en allant tous les jours rafraîchir la page. Au bout d'un moment il était disponible, ils ont fait du réassort et j'ai réussi à l'avoir comme ça. Mais voilà, c'est une question de persévérance. Donc voilà, ne me détestez pas, mais il fallait quand même que je vous le montre. Ce genre de pull en fait en ce moment, on commence à en voir pas mal. C'est une tendance qui arrive, donc avec un petit col roulé ou col cheminé comme ici et une épaule découverte. Donc ça fait un pull un peu déstructuré et moi je suis méga fan. Sur le même site, il y en avait un blanc un peu doudou et lui pareil, je n'arrive pas à l'avoir parce qu'il est en rupture de stock. Voilà, donc je suis un peu frustrée, mais j'ai réussi à avoir celui-là qui est très joli aussi, donc en cannelle. Et voilà, avec l'épaule dénudée, enfin, j'adore. Je suis méga, méga fan. J'en ai un autre dans le même style à vous montrer, mais qui coûte un peu plus cher. Mais voilà, ce genre de pull, c'est mon obsession du moment et j'espère vraiment qu'on pourra en trouver un peu plus d'ici peu de temps dans les magasins. Et le fait d'avoir qu'une épaule dénudée, bah déjà, c'est très joli. Et en plus, on n'a pas si froid que ça, donc voilà, c'est le bon compromis, je trouve. J'ai rien de plus à dire, à part que j'adore. Alors ensuite, je voulais vous montrer les fameuses boots que je me suis enfin décidée à acheter. J'avais fait un sondage sur Insta Stories pour celles qui se rappellent. Et voilà, j'hésitais entre deux modèles. Bah, finalement, en fait, j'ai commandé les deux. J'ai fait une petite folie. Voilà, elles sont bimatières et elles ont plein de boucles, donc plein de détails. Et elles sont pointues avec un talon cylindrique. Franchement, je les trouve vraiment trop belles. Je crois que j'aurais vraiment regretté de ne pas les avoir achetées. Donc je suis vraiment contente et je regrette pas du tout. Par contre, elles sont pas données. Voilà, c'est le seul point négatif, j'ai envie de dire. En matière de chaussures, j'ai pas de mental. Je craque facilement. Je pense qu'on est toutes pareilles. Alors ça, c'est une autre de mes passions du moment. Les pulls à pompons, je vous en parlerai plus tard parce que j'en ai un autre à vous montrer. C'est aussi un achat soldé. Donc ça, c'est un pull de la marque Guess qui, à la base, coûtait 120 euros. Il est passé à moins 50, donc il était à 59 euros. À peine plus cher qu'un pull chez Zara. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps, surtout avec la beauté des motifs, j'adore. Il y a des pompons même sur les manches, il y a un double col, ça, enfin voilà, c'est le petit détail. Et dans le dos, il est tout ajouré. Le seul truc, c'est qu'il restait qu'une taille M et voilà, j'ai pas essayé. C'est vrai que c'est un peu grand. Du coup, ils l'ont réassorti. Je vous en avais parlé aussi sur Insta en blanc et je l'ai pris. Et ils l'ont réassorti aussi en noir. Je l'ai pris aussi en S du coup parce que là, c'est grand. Donc je ne suis pas sûre de garder le rouge, mais je voulais vous le montrer parce que c'est un très joli modèle et voilà, si jamais il vous intéresse en noir ou en blanc, je vous mettrai le lien. Alors ensuite, je voulais vous montrer ce blazer officier. J'adore le détail des manches. Donc il est assez ample. Je l'ai pris, je crois que je l'ai surtaillé pour pouvoir vraiment l'enfiler en veste, pouvoir mettre quelque chose à manches longues en dessous. Toujours dans cet esprit-là de ne pas être étriqué dans mes vêtements. Je le trouve vraiment pas mal. C'est clairement le détail des manches qui fait la différence. Après, niveau qualité, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une très belle pièce. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous faire des looks avec et de vous montrer ça sur le blog. Alors ensuite, pareil, celui-là, j'étais obligée de vous en parler. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Donc c'est un pull avec des petits pompons. Donc comme je vous disais, ça revient beaucoup en ce moment sur les pulls, après les franges, les pompons. Donc celui-ci vient du site Chic Wish. Je vous en avais déjà parlé. Il a mis quelques jours, presque une semaine, je crois quand même, à arriver. Mais je suis super contente parce que j'adore. C'est des petits cœurs en plus. J'adore les pulls
originaux dans ce style qui se démarque un peu. Donc là j'ai pris une taille ML et faut dire que pour mon 1m70 je pense qu'il fallait pas moins parce que regarde au niveau des manches c'est un peu juste et il est court, donc si vous êtes petite après ça sera mieux. Gros coup de cœur pour ce pull, le col c'est un maxi col, ça tient bien chaud. Voilà, par contre il a une petite odeur quand on le reçoit mais ça part après au lavage. Alors ça du coup c'est le fameux pull qui est un peu dans le même style que le camel que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là pour le coup le col est vraiment haut, donc c'est plus un col roulé que l'autre, ça faisait un peu style choker en maille. Voilà, c'est à peu près la même idée avec une seule épaule dénudée. Là pour le coup il est un peu destroy, il est troué et déchiré. Ici aussi, même les manches sont un peu destroy comme ça. Donc il vient du site Revolve et j'ai pris une taille S. Toutes les pièces comme ça partent très vite. J'ai réussi à vous en trouver quelques-unes similaires, donc toujours avec cet esprit d'une seule épaule dénudée sur Missguided. Je vous mets le lien juste en dessous et là pour le coup elles sont aussi moins chères. Et pareil, ça part super vite, donc un conseil si vous aimez, n'hésitez pas trop longtemps parce que ça risque de vous passer sous le nez. Au niveau la jupe, je vous l'avais déjà montré, c'est une jupe Zara. Et au niveau des chaussures, voilà, je voulais vous montrer celles-ci qui viennent aussi du site Andover Stories. Donc comme celle-ci, je vous ai dit que j'ai craqué et du coup j'aimais beaucoup parce que ça fait bottine chaussette mais avec la petite bande style chaussette de sport et je trouve ça vraiment très très sympa. J'adore la forme, elles sont canon, elles sont pointues, elles sont confortables parce que le talon est hyper épais, donc on est stable. Et je trouve qu'avec une jupe ou une robe pour le printemps ça peut être vraiment pas mal. Et sinon là pour maintenant, glisser sous un jean, un pantalon crop ou un peu évasé sur le bas. Et on va passer à la suite. Du coup je voulais vous montrer cette veste en jean, je vais l'enfiler. Donc voilà, je vous montre ça comme ça vite fait. Donc c'est la veste en jean de chez Mango dont je vous avais déjà parlé. J'avais complètement craqué quand elle est sortie, donc elle est toute cloutée, il y a des rivets partout même derrière. Et le seul truc, je suis un peu déçue, c'est que je trouve que le jean n'est pas bien épais. C'est le seul truc négatif j'ai envie de dire, donc bon c'est pas très grave, c'est une veste de mi-saison mais en tout cas le rendu est vraiment vraiment canon. Et et pareil, je l'imagine bien avec une petite jupe. Voilà, j'ai hâte qu'il fasse beau, j'ai hâte. Alors après je vous remonte cette robe que je vous ai déjà montrée en story, ça fait partie vraiment de mes plus gros coups de cœur récents. Donc c'est une petite robe avec les manches bouffantes trois quarts, j'adore, avec les boutons style militaire. C'est une pièce assez originale et assez pointue. J'ai vraiment hâte de la porter sans collant parce que les collants, c'est vrai que ça alourdit un peu la silhouette parce que là on a vraiment une robe ras le cou, c'est très fermé, donc si on enferme aussi le bas c'est pas très aéré. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour résumer je préfère avoir les jambes nues avec ce style de robe. Donc là pour le coup j'ai mis des bottines blanches dont il faut que je vous parle aussi. Et juste dernière chose pour en revenir à la robe, la ceinture est fournie avec parce qu'on m'avait demandé déjà la dernière fois, donc quand vous achetez la robe vous avez la ceinture avec. Donc oui, les bottines, donc vous allez reconnaître un peu la forme. Il s'agit d'un dupe des Balenciaga, encore une fois je les ai en noir qui sont juste là, je vais vous les montrer. Voilà, j'ai les noirs, donc elles je les avais eues sur le site Iloa, je vous en avais déjà parlé. Et celles-ci, les blanches, je les ai commandées sur Shein, donc là pour le coup c'est du simili cuir. Pour ne rien vous cacher, ça sent un peu le plastique, ça sent limite le dissolvant quand on ouvre la boîte, mais après ça s'estompe. Sinon dans l'ensemble je suis très contente du rendu, elle coûte 30€, donc vraiment pour le prix j'ai rien à dire. Je les ai reçues sous une semaine il me semble, c'était un peu long et voilà, j'en suis très contente, donc je vous mettrai le lien aussi. Et sinon pour vous parler vite fait de la tendance des bottines blanches, alors moi j'en avais acheté l'année dernière, l'hiver dernier, donc ça fait plus d'un an maintenant, je vous en avais parlé sur le blog. Beaucoup n'aimaient pas et n'étaient pas de mon avis. Et cette année, j'en vois de plus en plus sur tout le monde. Donc la tendance est vraiment en train d'éclore maintenant. Du coup, à l'époque, moi, l'année dernière, j'avais beaucoup de mal à trouver des belles bottines blanches. Et cette année, on en a vraiment dans tous les magasins. Et j'en ai vu aussi au salon Who's Next. Donc ça va continuer l'hiver prochain. J'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon. Mais sachez du coup que les chaussures blanches, ça se confirme. Voilà, je suis contente parce que l'année dernière, quand je disais ça, beaucoup d'entre vous étaient sceptiques. Et finalement, j'avais raison. Donc voilà, après ça veut pas dire que ça plaît à tout le monde, mais en tout cas la tendance se confirme.
Sinon, je voulais vous montrer un truc que j'ai reçu ce matin. Ne me jugez pas. Je sais que ça va pas faire l'unanimité, mais je vais vous montrer quand même. Donc en fait, j'ai acheté cette petite jupe verte à pois pour le printemps. Je suis très en mode printemps en ce moment. Il faut dire que j'en ai un peu marre d'être en hiver. Donc j'essaie d'anticiper un peu mes achats d'été. Ça me remonte un peu le moral. Et voilà, en fait, c'est typiquement le genre de pièce que je vois porter avec des bottines blanches. Je suis consciente que c'est pas du goût de tout le monde, mais j'aime beaucoup l'association des bottines blanches avec cette petite jupe verte à pois blanc. Bon, après, au niveau du pull, c'est peut-être pas avec ça que je le porterai, quoique c'est pas mal. Mais voilà, c'est mon petit kiff de la matinée, donc voilà, je voulais vous la montrer, même si je la porterai pas tout de suite. Et je la trouve vraiment trop chou. Je l'ai en noir, celle-ci, je vous l'avais déjà montrée. Je l'avais assortie avec des cuissardes. Bon, par contre, pour la couleur verte comme ça, je pense vraiment attendre le printemps, d'être un peu bronzée et tout ça. Enfin, même si là, je suis bronzée puisque je reviens de vacances. C'est pas le genre de jupe que je porterai avec des cuissardes ou des collants. Donc, va falloir attendre un petit peu. Je vous parle de ce pull vite fait. Donc, ça, c'est un pull de chez Zara. Il est trop beau, il est super douillet, il est doux. À condition qu'on mette quelque chose en dessous parce que là, en fait, il est troué. Du coup, l'air passe. Donc, la dernière fois, je suis sortie, j'avais, je crois que j'avais juste mon soutien-gorge en dessous. Et je vous avoue que j'ai eu un peu froid. Donc, prévoir quelque chose en dessous. Mais voilà, c'est une très jolie pièce dans l'ensemble. Je l'adore. Bon, alors après, je voulais vous montrer des petits accessoires. J'ai des sacs à vous montrer et des anses de sacs. Je sais que vous aviez pas mal apprécié lors d'un précédent haul mes anses de sacs Stradivarius. Et du coup, j'en ai trouvé d'autres. J'en ai déjà parlé sur Insta, mais je le redis ici pour celles qui auraient loupé l'info. Avant ça, je vous parle juste de ce sac-là que j'adore, qui vient de la marque Herbert Frères Sœurs. Donc, c'est une marque parisienne et je suis complètement fan de leur modèle de sac. C'est vraiment des pièces avec des formes originales comme celui-ci et surtout qui sont fabriquées en France. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ils ont d'autres modèles trop canons. J'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon. Mais voilà, si vous cherchez un beau sac de qualité d'un créateur, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Parce qu'ils font vraiment de très jolies choses. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc vous avez des clous sur tout le contour du rabat et vous en avez un aussi sur le dessus. Et puis voilà, on met vraiment le minimum dedans. C'est sûr qu'on n'emmène pas sa maison, mais ça rentre largement. Le portable, le portefeuille, tout ce qui est vraiment essentiel rentre. Donc voilà, moi j'adore les petits sacs. Et après, je voulais vous montrer aussi celui-ci. Bah, du coup, j'ai ma boutte Siloa qui est restée là. Donc ça, c'est un sac qui vient de chez Mango. J'aimais bien l'esprit matelassé. Et ce que j'aimais bien surtout, c'est la anse. Donc la anse est fournie avec et elle est détachable. Donc ça, c'est cool. Et ça fait une petite anse brodée, colorée comme ça. J'aime beaucoup. Et le modèle du sac est vraiment pas mal pour du Mango. Et l'idée, du coup, c'est d'interchanger les anses. Je vais vous montrer avec les autres anses que j'ai trouvées. Enfin, je vais vous montrer les anses déjà pour commencer, je pense. J'en ai trois à vous montrer, ça va être plus simple comme ça. Donc il y a ces deux-là qui viennent de chez Bershka, qui coûtent 9 euros pièce. Donc vraiment pas cher, c'est le même prix que ma Stradivarius. Celle-là, je l'adore, c'est ma préférée, elle est trop belle. Et après, il y a celle-ci avec des clous et des œillets qui est pas mal aussi. J'ai celle-ci qui vient de chez Endover Stories. Celle-ci est un peu plus chère, elle est à 50 euros. Donc voilà, elle est très jolie aussi avec des clous. Après, personnellement, je trouve que les modèles à 10 euros valent largement le coût. Et puis, c'est plus sympa d'avoir plusieurs anses à interchanger. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne peut-être. Et pour finir avec les sacs, je voulais vous montrer celui-ci. J'ai pas encore enlevé l'étiquette parce que je ne sais pas si je le garde. C'est un petit sac qui vient de chez Zara. Il coûte 30 euros. Et voilà, c'est esprit panier, mallette. Dans l'idée, j'aime bien. Après, est-ce que je vais vraiment le mettre? Ça, c'est une autre question. Mais je le trouve vraiment trop chou. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je reviens très vite avec une prochaine vidéo. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous dire, si jamais vous avez des envies particulières, des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, à me le mettre en commentaire, à m'envoyer un mail. Voilà, comme ça je pourrais peut-être regarder ça et le faire, quitte à faire des vidéos autant que ça vous plaise. Donc voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller voir sur le blog si vous voulez peut-être des inspirations de look. Sinon, on se retrouve aussi sur Instagram et sur Snapchat. Je vous jure que je reviens sur Snapchat. J'étais un peu absente ces derniers temps, mais je reviens, promis. Je vous
vous fais des gros bisous, à très vite, salut.